C'est ce dimanche 2 mars que le président de la République, Alassane Ouattara, rentre de Paris. Un retour triomphal avec les honneurs et l'amour d'un peuple impatient de revoir son président après 3 semaines d'absence. C'est en tout cas un accueil inoubliable que lui réservent les Ivoiriens, heureux de savoir que le chef de l'État se porte bien. Grâce à toutes ces rumeurs folles sur la santé de mon président, j'ai décidé de faire sortir un pagne appelé Djougou son père, pour montrer au monde entier que mon président est vivant. C'est vrai, il a subi une opération, mais il n'est pas mort. Mon président est vivant, il arrive demain. Djougou son père, Fotamana ou Sayamabo, des noms pour souhaiter la bonne arrivée à Alassane Ouattara. Quelle que soit l'appellation qui est donnée à ce pagne, le fait est qu'il attire du monde. Je suis venu chercher mon pagne. Quel pagne? Le pagne Djougou son père, pour l'accueil du président. Ça fait beaucoup de plaisir de porter le panier, de l'accueillir, pour lui dire qu'il nous a manqué et qu'on est vraiment content de le retrouver parmi nous sains et saufs. Des acheteurs dans le rang, chacun attendant son tour pour un panier qui se vend comme de petits pains. Une bonne affaire pour Aminata 24. À ce jour, elle a vendu près de 6000 panes. J'ai vendu plus de 900 pièces. C'est moi ce qui ai vendu 900 pièces. Sinon, les femmes au marché, elles en vendent. Le pain même manque sur le marché. À Djamé, la cité commerciale justement. Dans ce vaste centre commercial où l'on trouve habituellement tout ou presque, le pain Fotamana est une pièce rare. Et voici le pain de Ado. Vraiment, le pain a beaucoup marché dans le marché. Ça reste une seule pièce avec moi. Vraiment, vraiment. Il y a même un client de 13 villes qui vient de commander. Je ferai tout pour lui apporter ça. Bon, le dernier mot reviendra à son couturier pour qu'il fasse le plus tôt possible. Les Ivoiriens se sont donc mobilisés pour le retour du chef de l'État. En plus de ce pagne, d'autres gadgets étaient sur le marché pour faire de cette arrivée du président un véritable moment de fête.